Good morgen, allez, Iden, l'étude sera aujourd'hui le lundi. Shemat Chayester, Bet Miriam, ainsi que l'Irfa, tout le Israël, Shemat Ben Chayester, Hamchat Miriam, Bet Roselena, et Binibin Ben Chbiba. Le Tor, Shar, Chol, Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions un Sechet Ovin, Perek Dalet, Mishnah Zen, Misheba Baderech, Vechashchalo, Vehayam Akir, Ilan, Ogader, Vamar, Shvitati, Tartav. Lo, Amar, Kelum. Shvitati, Beikaro. Mehalech, mimekom raglav, ve'ad ikaro alpaimama. Ou meikaro, ve'ad beto alpaimama. Nimsa mehalech, mishechachecha. Arbaat alafim ama. Et on va traduire directement cette Mishnah. Vous n'allez pas forcément tout comprendre, mais vous allez déjà avoir un cadre assez clair de l'histoire, même si vous n'avez pas compris la logique des choses. Misheba baderech. Il y a quelqu'un qui était sur la route le vendredi après-midi. Et Vechashchalo, et la nuit était en train de tomber. Et il était encore loin de la maison. Et il était à plus que 4000 amas même. À moins 4000 amas. Vaya Makiro Ilan Ogader. Et il connaissait un arbre précis, particulier, ou Gader, ou bien une barrière, un mur. Quelque chose qui est considéré comme un domaine un peu conséquent. Qui a une hauteur de 10 tfachim avec 4 sur 4. Donc, je reprends le cas, il est sur le chemin, il est encore loin de la ville, mais il sait qu'en fait, à une certaine distance, comme ce qu'on va voir dans quelques secondes exactement, il y a peut-être, je le dis tout de suite, allez, à 2000 amas de sa place, là où il ne va pas encore arriver à la ville, donc il ne peut pas encore rentrer dans la ville, dans Shabbat. Il l'a interdit. Mais qu'est-ce qu'il fait ce voyageur? Il dit, ben tu sais quoi? Il y a mes 2000 amas, un arbre. Moi, j'ai l'intention depuis maintenant d'être koné la shvita là-bas. Je m'installe là-bas pour Shabbat. Donc en fait, là-bas c'est mon lieu, et là je suis dans le périmètre de mon lieu, en théorie. Donc Vamar shvitati tartav. Et il a dit, je vais être chauvette, je vais m'installer là-bas. Mon lieu de résidence pour Shabbat sera sous l'arbre. Alors la Mishnah me dit, ben, Loamar, Klom, il aura rien dit. Par contre, Shvitati Beikaro, s'il a dit mon lieu de résidence sera à côté de son tronc, donc c'est un endroit plus précis. Le problème en fait, dans le premier cas, c'est que c'était pas précis, c'était indéfini. T'as dit sous un arbre, mais c'est assez vaste. Sous un arbre, il y a plusieurs amotes. Le feuillage, il s'étend plus beaucoup en largeur. Tandis que là, il dit non, j'ai l'intention de prendre 4 amotes Beikaro à côté de son tronc. Dans ce cas-là, Mehalech Mimakom Raglav. Vad Ikaro Alpaimama. Dans ce cas-là, ça a marché son système. Il pourra partir depuis Mekom Raglav, le lieu de ses pieds, tout de suite. Vad Ikaro jusqu'à le tronc de l'arbre, 2000 amas. Et une fois qu'il est là-bas, ou Meikaro, Vad Beto Alpaimama, une fois qu'il est là-bas, il pourra continuer à marcher même 2000 amas en direction de sa maison. Peut-être qu'il va même arriver à la maison et ce sera parfait pour lui. Comme ça, il aura le droit de rentrer chez lui Shabbat. Nimza Mealech Mishechachecha Arbat Alafim Ama. Et donc on constate que il s'avère qu'il pourra marcher depuis la tombée de la nuit, avec ce procédé, Arbat Alafim Ama, 4000 Ama, excellent. Soit, on explique un petit peu mieux de quoi on parle, on est dans un cas très très particulier, très original. D'abord, je préfère d'abord rappeler le principe des Hérouvé Troumin. On a dit, Shabbat, il y a ton lieu de résidence, et le domaine de 2000 amas autour de ton lieu de résidence. Ton lieu de résidence, ça peut être 4 amas si c'est 6 arts définis. Si c'est défini dans une pièce, c'est toute une pièce. Et voilà. Donc, tu as ton lieu, ta place. Et autour de ta place, maintenant, quand tu as une place, tu peux avoir l'intention de prendre 4000 amas tout autour. D'accord? Là, de manière générale, donc ma place, c'est là où je me trouve. Ça, c'est le top des tops. Là où je suis, c'est ma place. Ma maison, c'est ce qui est encore de mieux. Mais même là où je me trouve, comme ce qu'on apprendra encore dans la prochaine Mishnah, ce qu'on appelle être Me'arev Beraglav, je vais dans un endroit, et dans ce cas-là, c'est ma place pour Shabbat, et puis 4000 amas autour. C'est ma place. En théorie, alors, on connaissait le système du Eruv Troumin. Ma place, c'est pas forcément là où je me trouve, ça peut être aussi là où j'ai l'intention de manger. J'ai laissé là-bas un repas. Puisque j'ai laissé là-bas un repas, ou bien même un semblant de repas, en fait. Alors ça s'appelle que finalement, ma place, elle est là-bas, et puisque là-bas, c'est là-bas ma place, j'ai 4 amas là-bas, 4 sur 4, avec 2000 amas autour de là-bas. C'est grâce à ce procédé que je parviens à partir en dehors de ma ville. Je disais toujours le cas où j'habite, moi, à Ramoth, à l'extrémité de Jérusalem. Et puis après, je sors dans le désert de Binyamin. Et
Ben, si je veux maintenant partir jusqu'à Kever Shmuel HaNavi, alors dans ce cas-là, imaginez qu'il a plus, il est plus éloigné. Donc il faut que je mette un hérouf. C'est quoi le principe du hérouf? Qu'est-ce que je vais faire grâce à ce hérouf? Je vais faire que le hérouf, c'est devenu ma place, que j'habite pas chez moi en fait, Shabbat. J'habite là-bas, là où j'ai mis mon repas. Puisque j'habite là-bas, qui est à 2000 amas, j'ai le droit de rester chez moi aussi. Si je suis déjà chez moi, je peux même rester dans la ville. On aura l'occasion de détailler plus ce détail-là plus tard. Mais, donc maintenant il s'avère que j'habite là-bas, je peux rester aussi chez moi. Et de là-bas, puisque là-bas c'est ma place, j'ai encore 2000 amas supplémentaires en direction du caverne moi la nuit. D'accord? C'est le principe du hérouf. Donc, pour le moment, d'après ce que j'ai évoqué, je fais un hérouf, soit parce que je me trouve là-bas, soit parce que j'ai mon repas là-bas. La Mishnah, maintenant, elle nous apprend une nouvelle solution, très 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 particulière, un très grand chidouche, qui a été dit dans des circonstances très précises d'un voyageur qui est bloqué, qui n'a pas d'autre choix, c'est de décider qu'il va prendre désigner un lieu de résidence, même sans rien mettre. Il n'est pas là-bas, il ne met rien à manger, mais il doit désigner un lieu très précis. Un lieu bien défini. Soit sous un arbre, soit sur quelque chose qui est haut, un reshut hayachid bien bien défini. Là, il fixe que c'est son lieu de résidence. Un makom khashuv, là, je l'explique. On va prendre un cas d'un arbre, on va rester sur le cas d'un arbre. J'ai la possibilité de décider que finalement, donc je suis sur la route, j'ai pas d'autre moyen de faire un hérouv. Alors là, au lieu que je reste tout seul en plein désert, Rami m'a dit, tu sais quoi, si tu connais ce système, c'est dommage, t'es à deux pas de la ville. Tu peux plus courir, t'es épuisé, t'as couru toute la journée pour pouvoir arriver chez toi, t'es pas encore arrivé, mais t'es plus très loin. Alors tu désignes comme ça l'arbre, et puis après de l'arbre, puisque maintenant c'est devenu lui ton lieu de résidence, même si t'es pas là-bas sur place. Donc déjà, il faut que lui soit 2000 amas. Pourquoi? Parce que, puisque c'est lui mon lieu de résidence, donc je m'estime dans le périmètre de 2000 amas autour de lui. Donc j'ai déjà le droit de partir chez lui. Et puisque je suis sur place, c'est mon lieu de résidence, j'ai droit à 2000 amas supplémentaires, je pourrais peut-être ainsi atteindre ma maison. C'est le principe général de la Mishnah. On va le rentrer maintenant plus dans les détails, avec comprendre pourquoi le cas, le premier cas de la Mishnah, c'est quand j'ai donné un lieu indéfini, je dis sous un arbre. Sous un arbre, il y a un feuillage très vaste, ça peut prendre des fois 4 mètres, 5 mètres dans tous les sens, 5 mètres d'un côté, 5 mètres de l'autre, et ça s'étend. Si c'est un cèdre, il faut prendre un arbre important, un arbre bien défini, donc un arbre conséquent, le gros cèdre, imaginez, là, il a des branches qui s'étendent à, je sais pas moi, 8 mètres de chaque côté. T'as dit que tu prends 4 amas. Où elles sont tes 4 amas? Elles sont au début, à la fin, au milieu. T'as pas défini où elles sont. Tel est le problème du début de la Mishnah. D'accord, on va le revoir dans les mois après. Mais puisque t'as pas défini ton lieu, t'as pris zéro lieu. Mais pire que ça, alors là, c'est la grande galère. Ton intention, elle est d'être là-bas. Là-bas, tu n'acquiers pas. Et t'as pas d'intention non plus de rester sur place, là où tu es. Donc là aussi, tu n'acquiers pas. Et alors là, le pauvre, il est dans une catastrophe. Il doit rester sur ses 4 amas pendant tout Shabbat. Il n'a plus le droit de bouger. Il se retrouve dans un endroit, parce que là, c'est un peu le même principe de la Mishnah précédente, ou je ne sais plus laquelle, on avait vu l'histoire, où il y avait quelqu'un qui n'avait pas d'intention d'acquérir, quand il dort pas, là, c'est pire que tout. Là, il a expressément l'intention de ne pas rester sur place, d'être ailleurs. Ah, tu restes pas sur place, donc ta place, c'est pas là où tu es. Si c'est pas là où tu es, alors tu auras tes 4 amotes, parce que quand tu as tes 4 amotes, mais tu n'auras pas le périmètre autour de 2000 amas, donc là, tu es bloqué, tu dois rester sur place. Par contre, si tu dois rester sur place, tu ne peux plus rien faire. Par contre, si, ça c'est quand tu n'as pas défini le lieu exact là-bas. Par contre, si tu donnes un lieu bien précis, tu dis le milieu du tronc, le tronc, ou même mieux que ça, l'Agma évoque un cas, le Bartonneur allonge pour expliquer, l'Agma évoque un cas où il y avait un arbre, où il y avait tout le feuillage, ça se résume en fait, étalé sur 7 amas. Parmi les 7 amas, tu prends 4 amas. Où que tu mettes ton carré, c'est sûr que tu vas quand même, tu as au moins un lieu défini dans tout ça. Tu as au moins une partie de ton lieu qui est définie, puisque 7 amas. Imaginez, vous prenez un carré de 7 sur 7, et vous jouez avec un carré de 4 sur 4. À le déplacer dans tous les sens, vous aurez au moins la partie du milieu qui sera certainement, qui appartiendra à votre domaine. Puisque là, tu as une partie de ton domaine qui est définie, ça marche. Mais si tu n'as rien défini, parce que l'arbre est tellement large qu'on ne sait pas où elles sont tes 4 amotes, et bien tu n'as rien sous l'arbre, tu n'as rien à ta place, tu restes sur place pendant tes 4 amotes pendant tout Shabbat. Et on refait tout ça dans les mots maintenant, vous allez voir que tout était très simple en fait. Mishéba Badarer, celui qui était en route sur le chemin, Vechashralo, il a eu la nuit qui est tombée. Vayam, elle est en train de tomber, elle n'est pas encore tombée. La Gemara rajoute même dans ton arrière proche, il rapporte qu'il faut que je me retrouve un petit peu avant Shabbat, que si je me mettais à courir, je réussirais à atteindre l'arbre. Seulement, je suis épuisé, j'ai pas envie de courir. Mais j'ai la capacité, je suis assez de temps, et j'ai la possibilité matérielle de courir et d'atteindre l'arbre. Alors là, dans ce cas-là, j'ai la possibilité de faire ce système. Vaya Makir Ilanogader, il le connaissait. Il était capable de définir un arbre ou un gader
je sais pas comment définir, un monticule, de pierre, une barrière, ça c'est une barrière, mais là c'est une barrière, il s'agit d'un muret en fait, d'un muret conséquent. Ve'amar, et il a dit, Shvitati Tartav, je m'installe là-bas, mon lieu de Shabbat c'est là-bas. Lo Amar Klum, il n'aura rien dit, et comme ce qu'il a dit le Bartanora, il rapporte, il n'aura rien, même pas les, il n'aura même pas les demi-lamas autour de sa place. Par contre, s'il a dit « Shvitatim be'ikaro », je veux prendre ma shvita, je m'installe à son tronc, le ikar d'un arbre, c'est son tronc. Alors, « Me'aler mimakom raglava d'ikaro alpayemama », il pourra marcher depuis sa place jusqu'à le lieu de ses pieds, jusqu'au tronc, il aura 2000 amas. « Ou me'ikaro ve'ad beto alpayemama ». Et ensuite, une fois qu'il atteindra l'arbre, il aura le droit de marcher encore même 2000 amas, et peut-être même atteindre sa ville. Et comme ça, il s'avère qu'ainsi, il aura encore la possibilité de marcher depuis l'entrée de Shabbat. 4000 amas. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha. Kol Touv Salam.